Konnichiwa les amis, aujourd'hui 113e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Bien sûr, je suis dans mon petit parc, c'est devenu une habitude, mais c'est le dernier jour aujourd'hui. Le temps, les amis, c'est un petit peu plus couvert, mais il fait, ça va, c'est très agréable. Aujourd'hui, donc, comme je viens de vous le dire, c'est le dernier jour à Tokyo et j'avais pas de programme jusqu'à il y a à peu près 2 minutes. Hein. Voilà, j'avais rien de prévu aujourd'hui pour le dernier jour. D'ailleurs, je voulais vous partager mon sentiment. Je pensais à ça depuis plusieurs jours. Je me souviens, la première fois que je suis venu à Tokyo, j'étais mais comme un ouf, je sautais partout, je voulais voir tout. Alors, j'étais resté 12 jours la première fois que je suis venu à Tokyo, donc j'avais fait quasiment tout ce que je voulais voir. Même si on voit jamais tout à Tokyo, on peut passer des mois ici, il y a tellement de choses à découvrir. Et bien sûr, je suis loin de connaître Tokyo. Mais c'est vrai que j'étais tout excité, on se fait un programme, on dit voilà, je m'organise, je fais ça le premier jour, deuxième jour, par quartier et tout. Deuxième séjour. Pareil, quand je suis arrivé, je veux retourner dans ce quartier-là, je veux absolument revoir ça. On est toujours un petit peu, pareil, un peu excité. Et puis l'année dernière, le troisième séjour, c'était déjà un peu plus serein parce qu'il y avait déjà pas mal de quartiers que j'avais vus. Il y a juste quelques quartiers dans lesquels je voulais retourner. Et puis là, le quatrième passage cette année, du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus chill. Même si, bien sûr, je sais que vous êtes nombreux à être arrivés cette année sur la chaîne. Et il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais vous remontrer. J'aimerais retourner à Shibamata, j'aimerais repasser du temps dans les petites ruelles d'un autre quartier. Mais bon, évidemment, 5 jours, on peut pas tout faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a encore un grand programme derrière. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et honnêtement, c'est pas que je sais pas où aller. Et évidemment, il y a que l'embarras du choix. Voilà, je suis pas dans le stress en train de me dire ouais, faut que je fasse ça aujourd'hui. Alors, déjà, en plus, l'heure, j'ai une horloge sous les yeux. Je me suis levé très tard. Bon, je me suis couché à 5h. De toute façon, je me couche à 5h là depuis plusieurs nuits. Donc, évidemment, je pouvais pas me lever à 8h. On va commencer la journée par aller dans le jardin de Amarikyu. Ça se trouve au sud de Ginza. J'ai 2 lignes là à prendre. C'est un jardin où je suis allé, je crois, lors de mon premier voyage, mais je n'y suis jamais retourné depuis. C'est un jardin qui est assez grand. Donc, on va commencer la journée par se poser tranquillement dans un jardin, profiter. En plus, je crois que c'est dimanche aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est dimanche. Donc voilà, ça va être une journée tranquille, un dimanche chill à Tokyo. Les amis, je vous retrouve au jardin Amarikyu. J'ai fait quasiment le tour là, très très bel endroit. J'ai passé un bon moment ici là. Il est vraiment très très chouette ce jardin. C'est assez grand, ça fait 25 hectares. C'est un jardin qui a été fondé au 17e siècle. Alors au départ c'était privé, c'était le jardin d'une villa
d'un shogun, et puis bien plus tard ça a été cédé à la ville de Tokyo. Alors il y a eu pas mal de dommages aussi pendant le tremblement de terre de Kanto en 1923, et puis les bombardements aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui c'est vraiment un beau jardin avec énormément de pins, il y a aussi un bassin avec quelques maisons de thé autour, bien sûr il y a des ponts, il y a aussi une lagune avec de l'eau de mer, c'est géré par une écluse, donc il y a aussi le niveau d'eau qui monte et qui descend. Je vais continuer la balade en direction de Ginza, j'allais dire c'est pas très loin, il y a quand même un petit peu de marche pour y aller, mais c'est le quartier qui se trouve là à peu près au nord là, du jardin. Ginza, je crois que je vous en ai parlé, c'est le quartier un peu luxe, haut de gamme, chic ici à Tokyo. Alors j'y vais pas pour faire du shopping, j'y vais pour profiter un peu de l'architecture parce qu'il y a de très très beaux bâtiments à Ginza, et puis là ça va être en plus la nuit bientôt, donc il va y avoir les lumières qui vont se mettre en place, ça va briller de partout, donc direction Ginza. Les amis, je vais essayer de parler assez fort, je pense que vous l'avez tous reconnu, je suis dans le quartier de Shibuya. Oui, c'est mon dernier jour à Tokyo, j'étais obligé de faire un petit passage par Shibuya. En réalité, je suis passé une première fois, mais j'ai fait un passage très rapide, là, c'était avant-hier. Donc, on va, pour clôturer cette journée, faire un petit passage ici, profiter des lumières de la ville, de l'ambiance, du bruit, des gens, un bon bain de foule avant de rentrer dans mon quartier de Senkawa et de manger quelque chose. J'ai toujours pas mangé aujourd'hui, les amis. Hier, j'ai fait que de bouffer toute la journée. Aujourd'hui, j'ai mangé une seule petite brioche depuis ce matin. Donc, ce soir, je pense que ça va être le même tarif. Passage au live, le supermarché, il est ouvert jusqu'à 1h du mat. Pour l'instant, on va profiter de l'ambiance un peu de Shibuya.
Je vous retrouve sous les lumières de mon mini-stop préféré, les amis. Ça y est, les 5 jours à Tokyo viennent de s'écouler. C'était vraiment cool de passer 5 jours ici à Tokyo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette ville. J'ai passé un très bon dimanche là aujourd'hui en commençant par le parc, bien tranquille. C'était vraiment, vraiment chill. C'était vraiment sympa. Petit passage dans Ginza, un peu d'architecture, un peu de lumière. Et puis terminé à Shibuya, le quartier emblématique de Tokyo. C'était aussi très cool. Demain, je vous dis ça tous les jours, je sais, mais il faut absolument que je me lève très tôt. Je prends la direction de Matsumoto, c'est une nouveauté pour moi, je connais pas du tout. Et c'est à peu près à 2h30, 3h entre bus et train, c'est à peu près un peu plus court en train. Donc demain, direction Matsumoto, il faut que le réveil sonne le plus tôt possible. En fait, c'est une étape que j'ai rajoutée un peu au dernier moment, en fait, un passage d'une journée. Ce que je veux voir, c'est le château, il y a un très très beau château à Matsumoto, donc il faudrait que j'arrive demain midi, demain après-midi, voilà, pas trop trop tard, que ça me laisse un peu de temps pour visiter le château. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction de Matsumoto. Ciao, good night.